bien sûr ici à Lyon, pour célébrer Yeni Yer de 1959 avec Najet. Donc Najet, bonsoir Azul. Bonsoir Zulfloun. Alors je crois savoir que vous êtes investie ici même à la mairie de Lyon. Je suis adjointe au maire de Lyon en charge des grands événements, de la jeunesse et de la vie associative. Une délégation pas trop chargée, ça va ? Si, très chargée, mais en même temps extrêmement intéressante et qui permet de faire beaucoup de choses qui justement mêlent l'activité associative avec l'organisation d'événements et en particulier en direction des jeunes, donc c'est assez intéressant. Je crois savoir que vous êtes un peu responsable sur le fait qu'ici même se déroule le Nouvel An Berbère. Oui, absolument, parce que l'association AWAL, qui est organisatrice de ce Nouvel An Berbère, est une association que nous apprécions beaucoup, que je suis pour ma part depuis plusieurs années avec beaucoup d'attention et de sympathie, qui a le mérite de réussir toujours à réunir un nombre de personnes invraisemblables. Donc on a été très heureux cette année de leur ouvrir les portes de l'Hôtel de Ville pour qu'elles puissent tout simplement s'approprier cette maison commune aussi qu'est l'Hôtel de Ville. Alors justement, les Berbères qui rentrent dans cette institution, important là encore. Eh bien, les Berbères, je crois, sont très heureux lorsqu'on valorise leur langue, leur culture, leur tradition. Bien sûr, on l'a dit, les Berbères à la mairie de Paris, les Berbères à la mairie de Lyon, les Berbères au Sénat, bientôt les Berbères à l'Élysée. Inch'Allah. Ben voilà. Alors, avant de vous quitter, de vous laisser partir, vous êtes aussi, bien sûr, d'origine berbère, je crois savoir, un peu marocaine, un peu algérienne. Oui, plus ou moins, oui. Davantage marocaine, disons. De quelle région ? Du Rif. Alors, un coucou à passer à tous les Berbères marocains qui nous regardent ce soir. Eh bien... Sachez simplement que j'appartiens à cette culture depuis ma naissance, que j'ai beau avoir changé de pays, m'être installée en France, c'est une culture à laquelle je suis extrêmement attachée, un pays auquel je tiens beaucoup. Et j'espère que vous tous, vous passerez une excellente année 2009 et j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt. Et en berbère. En berbère. Du Maroc. Mazirt, le Mourib. يورخطو ويجنعم نظنتي غيب ذان ان شاء الله ما ريضوم ما تريقاهم يجنعم يشنا bien voilà. Alors avant de vous laisser partir encore une fois, quelles sont vos résolutions pour 2009? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, me rendre utile pour les autres. Je crois que c'est pas une immense ambition, que ça peut se faire tous les jours, toutes les heures, c'est à la portée de chacun d'entre nous, mais je crois que c'est ce qui rend le plus service, c'est ce qui fait que le monde change petit à petit. Bien, merci et bon courage. Merci à vous.